Et vous, aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis de sur les Schlage de 2002 à 2004. C'est parti. Alors, déjà en 2004, il y a eu cet ombre-là. Et en fait, non, ce n'était pas une jument à la base, mais bel et bien un ombre. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont décidé de le changer. Le mien n'est pas en très très bon état, j'avoue. J'aimerais bien pouvoir le changer tout comme mon angre arabe blanc. Mais ça nous reste à voir. Enfin bref, j'espère qu'un jour j'en trouverai un autre. Et donc pour l'instant, c'est le seul que j'ai. Bon, on voit quand même qu'il était quand même assez bien nuancé. Ça me fait bizarre de parler lui au masculin. C'est vrai que c'est un cheval dont on parle pas beaucoup. Mais voilà, Schleich, la dernière minute, a décidé d'en faire une jument. Alors que bon, finalement, je sais pas, peut-être son regard, sa tête qui font un peu penser à une jument. Mais encore une fois, franchement, cette tête-là me manque chez Schleich. Regardez un peu les détails au niveau des veines et enfin voilà, ça c'était vraiment un cheval très très bien musclé, proportionnel, ça ressemblait vraiment à un cheval quoi. Et bah d'ailleurs c'est à partir de 2001, de 2002 selon moi, que on commence à rentrer, que nous sommes vraiment dans les plus belles années de chez Schleich au niveau du réalisme. C'est vraiment cette période-là qu'on a eu des chevaux absolument magnifiques. Donc ça c'est donc la première édition de la jument lipizzane, mais c'est un ongre lipizzan. Et puis d'ailleurs c'est assez rare qu'on ait des ongres chez Schleich. Je sais pas pourquoi ils aiment tant faire des étalons, mais bon. Peut-être pour les concours ou quoi, je sais pas. C'est peut-être plus simple. Enfin, oui, Schleich en soi n'aime pas trop les ongles. Hein. Ensuite, nous avons une jument de cœur à mes yeux, la jument Trakner. Oui, je crois que oui, si, celle-là, c'est une Trakner. Vous savez très bien que moi, les races au niveau des. Je confonds tout le temps les Trakner et les Hanovres. Au niveau des Schleich surtout, bah d'ailleurs que ce soit en 2002 ou en 2016 par exemple, enfin bref, ou pendant ces dernières années, je les ai toujours confondus, bref. Donc celle-là, c'est vrai que ce modèle-là est un peu plus brillant parce que je pense que en fait ils ont fait le moule d'abord en marron pour garder la robe et pour avoir déjà la robe d'origine et puis après qu'ils ont fait la nuance directement par-dessus et sans vraiment repeindre la jument. D'ailleurs, ça se voit parce que si on la retourne, là vous voyez les sabots sont usés et donc voilà, c'est exactement la même robe, donc c'est pour ça qu'elle brille. Encore une fois, de superbes plis, vraiment des chevaux réalistes. Et oui, ça m'arrive aussi de dire que des Schlage sont beaux, oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce type de vidéo d'ailleurs. Et j'aime vraiment beaucoup cette petite jument, il y a même des détails jusque dans les veines, jusqu'ici. La mienne aussi est un peu abîmée, mais j'ai plusieurs, enfin, j'ai une autre variante sur elle. Et il me tarde d'en avoir d'autres là parce que, bon, de toute façon, ma Conga Line actuellement c'est la jument que j'en ai le plus. Ça ne voulait strictement rien dire, mais en gros j'en ai 6 ou 7 d'elle. Et bah, il me tarde d'en avoir encore plus, voilà. Ensuite, il y a eu la jument Alzane qui est ma toute première Schleich. C'est elle qui m'a donné la passion, la fièvre et en même temps, ça se comprend. Vous avez vu la beauté du truc quand même? Une superbe allure, elle fait mistinguette, elle fait un peu espiègle, j'aime beaucoup. J'adore cette jument et là je n'en ai qu'une. J'ai jamais réussi à en retrouver d'autres, en plus elle est en super bon état et c'est la première. Hein. Donc ça veut dire que j'ai vraiment joué avec elle et tout et franchement j'adore la tête, juste le cul un tout petit peu plus haut que les épaules. Mais sinon c'est tout, elle est parfaite et j'aime vraiment beaucoup cette jument. Alors pour moi c'est une anglo-arabe. Mais Schleich lui a pas donné de robe, de race, lui a juste dit jument Alzane. Comme je l'ai dit au début, enfin pour moi en tout cas, Schleich n'avait pas vraiment d'idée de faire des races. Il voulait faire des poneys pour faire des poneys, c'est tout. Donc il donnait juste des couleurs et puis basta. Puis après, quand ils ont vu que ça marchait bien, ils ont décidé de donner des races pour être un peu plus approfondis, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a certains chevaux qui n'ont pas de race. Enfin pour moi, c'est comme ça que je l'explique. Après, je n'ai pas la science infuse. Et voilà, donc elle, j'aimerais vraiment aussi faire une conga line dessus, mais il faudrait que j'en trouve d'autres, voilà. Et à chaque fois que je vois des customs, ils me passent sous le nez, donc bref. Ensuite, il y a la jument Holstein, qui est magnifique également. Moi, je l'adore, ça fait vraiment une petite jument très posée. Alors moi, j'avais dit que c'était une jument à la retraite, je sais pas, peut-être parce qu'elle avait l'air un peu molle. Ça fait jument de randonnée, vraiment classe, mais ça peut aussi faire jument de concours. Voilà, des veines jusque dans les muscles et tout, mais je comprends pas. Pourquoi même, après avoir fait des merveilles pareilles, les sculpteurs de chez Schleich ont accepté de refaire de la merde en fait. Je comprends pas. C'est comme si, en tant que dessinatrice, vous arriviez à faire des trucs absolument dingues,
et qu'on vous redemandait de faire des dessins pourris, quoi. Alors, oui, d'accord, pour être payé. Ça, oui, je comprends comment ils ont besoin de travailler, c'est normal. Du coup, ils font les chevaux qu'on leur demande aussi. Mais par exemple, si moi, on me demande 6 mois, par exemple, un dessinateur, vous voyez, il va toujours pouvoir avoir le choix de faire des chevaux que lui, il aime de son côté. Alors, je comprends pas pourquoi les sculpteurs ne vendent pas des chevaux aussi magnifiques que ça à leur propre compte, mais quitte à ce que ce soit vachement plus cher. Il n'y en a pas des chevaux à cette échelle-là, à part quelques sculpteurs qui en font. Enfin, j'aimerais bien essayer d'en acheter une pour voir, mais voilà. Donc franchement, moi j'aime toujours autant cette jument. Ryan Borg a décidé de nous refaire deux juments comme ça aussi. Et elles sont vraiment magnifiques. Et je crois que j'en ai 4 ou 5 d'elles, je sais plus. Et pour finir avec 2002, il y a donc ce poulain que je crois avoir trouvé en brocante ou dans un lot sur eBay aussi. Je l'aime vraiment beaucoup et ce poulain, à chaque fois que je le trouve en brocante, il est massacré. Alors je sais pas, les chiens doivent le détester, mais moi je trouve absolument trop mignon. J'aimais beaucoup quand Schlage faisait ce genre de robe un peu fauve, un peu grisonnant pour l'alezan, un alezan clair comme ça, parce qu'il les faisait vraiment très très bien, très réaliste. Et j'ai toujours adoré ce type de robe chez Schlage. Et j'aimerais bien qu'ils nous en ressortent. Et au niveau du poulain, bah franchement, toujours aussi mignon. Et là, par contre, vous voyez, bah il est quand même assez bien proportionné. Bon, il a quand même l'encolure un peu épaisse, c'est sûr, mais c'est un poulain, comme je vous le dis. Donc, j'ai toujours du mal à critiquer les poulains, et vous le savez, parce que je vous le dis très bien, ils sont pas censés rester comme ça. Donc, un poulain, ça grandit pas proportionnellement. Il peut très bien prendre 10 cm des épaules pour ensuite grandir des postérieurs. Vous voyez, c'est pas homogène. Mais là, vous voyez, c'est homogène, c'est mignon, c'est réaliste et on s'y croirait. On a l'impression qu'il va prendre vie, quoi. Et c'est ça ce qui me manque vraiment chez Schlech. Ensuite, en 2003, on n'a eu que deux chevaux, dont notamment la jument islandaise. C'est la première fois qu'on a eu une jument avec autant de mouvements. Et l'une des seules fois d'ailleurs, parce qu'après. Mis à part quelques chevaux qui se cabrent, qui galopent un peu, c'est. Enfin, moi je l'adore cette jument, elle est vraiment très très. Elle est canon, je crois que je l'ai eu dès mon départ, non, je l'ai peut-être pas eu en magasin, celle-là, je me rappelle vraiment pas. Mais. Voilà, j'aime beaucoup cette jument. Et bah écoutez, je trouve qu'elle est assez rare parce que moi je la trouve pas très très souvent après, que ce soit en magasin. Bon, magasin c'est normal, elle est plus commercialisée, mais que ce soit sur eBay ou par exemple sur Le Bon Coin ou en brocante ou quoi, j'ai du mal à la retrouver. Donc pour moi elle est vraiment rare, mais je vous referai une vidéo là-dessus plus tard. Et là on a eu donc le poulain Shire. D'ailleurs, quand j'ai refait la vidéo, parce que là je vais vous préparer aussi la vidéo d'après qui est de 2005 à 6, 7, 2005-2006 à 2007, et j'ai vraiment eu du mal, j'ai eu comme un bug. Attendez, j'étais là, mais on n'a pas eu de jument Clydesdale, mais pourquoi il y a marqué jument Clydesdale et jument Shire, et j'arrivais pas à trouver, et du coup je me suis embrouillée, ça m'a pris 20 minutes, horrible. Donc ce poulain-là aussi, je l'aime beaucoup, bah, comme je l'ai dit, j'adore ce type de robe. Il est vraiment grand sur pattes et tout, mais il est vraiment très très mignon et réaliste, bien proportionné, et ça me manque, mais terriblement, un truc de dingue. Voilà, il me manque, ça me manque des poulains comme ça, et lui, moi, lui aussi, il est moyennement rare. Je le vois quand même un peu plus souvent que la jument islandaise, mais voilà, il me plaisait toujours autant. Et ensuite, en 2004, on a eu le poulain à Flinger, n'importe quoi, le poulain Hanovre, que j'aime beaucoup aussi dans cette robe-là. Donc là aussi, je le trouve vraiment mignon. Et voilà, il fait très élancé, très sportif, très curieux. Enfin, elle, du coup. Mais je l'adore. Et puis, oui, là, parfait état également. J'en reviens pas d'avoir pu garder des chevaux en bon état comme ça alors que je jouais avec. Vraiment, je n'en reviens pas. Ensuite, il y a eu la petite pouliche arabe. Que celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Enfin, un poulain un peu plus dynamique. Je dirais pas espiègle, peut-être, oui. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Miss Connery en fait, et je l'aime beaucoup. Elle est très élancée, on voit bien qu'elle est nerveuse et tout, typique des Arabes je trouve. Et j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa position là, on voit bien qu'elle tourne la tête, c'est réaliste. Il y a même le pli là autour de l'encolure, je sais pas si vous allez le voir, mais ouais, moi je la trouve absolument trop trop choupinou. Ensuite, toujours plus petit, on a le. Ouais, l'étal, non, c'est un ongre, ça, l'ongre Falabella, que je trouve magnifique lui aussi. De toute façon, hein, moi, ce sont mes années que j'ai préférées chez Schlech. Parce que, oui, mes années préférées, ce serait de 2000,
Du coup, de 2002 jusqu'à 2012 inclus, parce que pour moi, en 2013, c'était même pas la peine. Bref. Donc celui-là aussi, j'adore la crinière. Je crois que c'est l'une des premières fois aussi où on a eu un poulain, un cheval borgne en fait. Parce que, enfin borgne, il allait le cacher sous la troupe, ah putain, sous le toupet. Mais vraiment trop mignon. Et puis j'aime beaucoup sa robe très rustique, un appalosa, mais franchement on s'y croirait, il est magnifique. Non mais vraiment la robe là, elle est, pour moi sa robe est parfaite en fait. Bon certes les taches font un peu petit poids, mais franchement, moi je l'adore comme ça et ouais, j'ai vraiment hâte. Enfin, même j'en fais une conga line de toute manière, donc voilà, j'adore ce Falabella. Ensuite, on a eu Long Grafflinger. Là aussi, je trouve que bon, au niveau des nuances, ils auraient pu faire mieux au niveau de la robe, mais après, ça fait vraiment poney potelé et typique des Afflinger. Enfin, je dis pas que tous les Afflinger sont potelés, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une caractéristique assez rondouillard et je trouve que ça représente bien la race et que et bah, il est carrément canon quoi. Moi aussi, j'aime beaucoup ce type de poney là. J'en ai deux, mais j'avais un Dragstick sur lui aussi, je crois. Et bref, c'est à venir. Non, je crois pas. Bref, j'espère. Lui aussi, je trouve qu'il est quand même assez rare parce qu'on le trouve pratiquement pas très très souvent en fait en brocante ou même autre part. Donc, vraiment, je suis contente de l'avoir, d'avoir pu l'acheter en magasin. Ensuite, pour terminer d'ailleurs, la jument Tinker qui est très très poilue, enfin chevelue. On voit vraiment le détail des poils. Et là, vous voyez, contrairement. Contrairement à l'étalon Tennessee de l'année d'avant, oui, de 2017 je crois, vous voyez ça fait pas râteau, on voit que c'est vraiment réaliste et je trouve que cette jument est vraiment canon, bien proportionnée, bien élancée, on s'y croirait, elle est vraiment magnifique et moi, enfin voilà, peut-être les taches juste, mais c'est tout. Et donc je vais essayer de finir assez vite parce que j'ai plus de batterie, mais voilà, j'ai essayé de faire assez rapide, j'en suis quand même à 12 minutes, bref, il va falloir que je coupe certaines parties je pense, et ben voilà, donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour les taches de 2005 à 2007. Et voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!